Enfin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le concours. Voilà Fifi qui vient vous dire bonjour. Désolée, j'ai pas pu faire la vidéo avant, vous savez, bon, je vais pas revenir sur le pourquoi et le comment. Donc, c'est la vidéo des 2000 abonnés. Donc, je vous en remercie énormément. Depuis, on est à 2047 abonnés aujourd'hui, donc je suis très très heureuse. Ben, depuis que j'ai ouvert la chaîne, ben, je n'aurais pas pensé avoir autant d'abonnés, mais bon, c'est fait. Voilà, on a dépassé la barre des 2000 et ça continue à grimper. Voilà. Et je vous en remercie encore vraiment toutes. Ça prouve que ce que je fais sur ma chaîne, ça vous plaît. Voilà. Et donc, pour vous remercier, je vais faire un concours. Donc, le concours va durer un mois. Ça va me donner le temps parce que je n'ai pas encore été chercher les lots. Mais bon, j'irai dans le courant du mois chercher les lots. J'avais demandé à des boutiques de participer. Et je n'ai pas eu... Alors, soit je n'ai pas eu de nouvelles, je n'ai pas eu de réponse. Ou soit j'ai eu des refus. Donc, bon, bah, tant pis. Hein. Donc, on va se débrouiller soi-même. Donc, par contre, donc, il y aura 3 gagnantes. Je ne ferai que 3 gagnantes sur le concours. Bon, je pense que c'est déjà très très bien. Donc vous aurez un lot de bon action, bien sûr. Je ne pourrai pas faire plus, mais vous comprendrez très bien et je pense que ça vous fera tout autant plaisir d'avoir des lots action pour vous récompenser pour le concours. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander pour le concours, c'est de me faire une toute petite création. Voilà. Ce que je vais vous demander, alors c'est de me faire une carte simple. Alors, quand je veux dire simple, c'est-à-dire pas une carte double. Je vais vous demander de faire une carte A5, donc je vais vous montrer la taille. Voilà, une carte A5, c'est ça. Voilà, donc, vous voyez, elle est simple, donc elle n'est pas ouverte. Hein. Donc, la taille, c'est 24,7 sur 21 cm. Donc, vous voyez, je vous remets la taille en dessous. Donc, vous me la faites sur du cardstock, sur du papier canson, sur ce que vous voulez, hein, ce que vous avez sous la main. Et le thème, alors, je vous demande un thème, mais le thème, je vais vous demander votre thème préféré. Voilà. Je ne veux pas dire faire un thème sur le printemps, la mer, voilà, non. Ce que je souhaite, c'est pour connaître vos goûts. Voilà. Donc, ce que je vous demande, c'est de me faire, par exemple, si vous aimez le steampunk, ben, vous me faites une carte sur le thème de steampunk. Si vous aimez le shabby, ben, vous me faites une carte sur le shabby. Si vous aimez ce qui est enfantin, ben, vous me faites sur l'enfantin. Voilà, je veux une carte sur votre thème préféré. Voilà, donc à part ça, à part la taille A5 et vos goûts préférés, donc shabby, steampunk, tout ce qui a le vintage, voilà, ce que vous préférez dans tout ce qui est le scrap, voilà. Et derrière la carte, au dos, comme ça, ça va me permettre en même temps de savoir qui a fait, et puis ça me permettra en même temps de garder... bah, vos coordonnées. Je sais qu'on est plusieurs en ce moment de l'avoir fait, mais bon, c'est une bonne idée. Donc les filles qui passent par là, bah, je vous ai piqué l'idée, hein. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Comme ça, je garde l'idée et je mettrai dans une pochette vos cartes.
comme ça, ben, quand j'ai besoin de vos coordonnées, ben, pour vous envoyer une petite carte ou quoi, ça me permettra de les avoir tout de suite sous la main. Donc derrière, j'aimerais au dos que vous mettiez ben, votre nom, votre prénom, votre adresse. Parce que bon, sur les enveloppes, souvent les enveloppes, après on les garde pas. Donc comme ça, derrière la carte, vous mettez votre nom, prénom, votre adresse. En même temps, mettez-moi votre date d'anniversaire. Je vais tout vous remettre en barre d'infos. Hein. Votre... Si, s'il te plaît. Non, déjà. Alors, le nom, le prénom, l'adresse, votre date d'anniversaire. Pardon. Si vous êtes sur Facebook, ben, votre pseudo Facebook, votre pseudo YouTube aussi, puisque là, on est sur YouTube, comme ça, ça va me permettre également de vous retrouver plus rapidement, également, de savoir qui a fait quoi. Et au passage, ben, si vous avez un Instagram, mettez-le moi aussi, puisque moi, j'ai un Instagram, comme ça, j'irai m'abonner à votre Instagram. Et vous pourrez vous abonner au mien également, puisque vous l'avez en barre d'infos si ce n'est pas encore fait. Marquez-moi votre thème, justement votre thème préféré. Mais bon, je le verrai par votre carte, mais rajoutez-le moi derrière. Voilà. Donc, vous avez juste donc à me faire cette petite carte simple en thème A5. Sur votre thème préféré, donc je vous rappelle le shabby, le vintage, le steampunk, tous les thèmes qui existent, si vous aimez l'enfantin, si vous n'aimez que ce qui est sur les gorgus, si vous n'aimez que... Voilà, mettez-moi votre thème préféré en scrapbooking, oui, c'est pareil. Voilà, ça va me permettre de vous connaître, voilà, et donc dans un mois, donc là aujourd'hui on est le 5 juin, donc entre le 5 juillet, 10 juillet, je ferai le tirage au sort, mais je vous mettrai au courant, je referai une vidéo pour le tirage au sort, et en même temps du coup je vous montrerai les lots d'ici là, en vous donnant la date exacte du tirage au sort. Je montrerai pas à chaque fois que je reçois les enveloppes. Je pense que je ferai une fois par semaine. Je vais voir comment je vais m'organiser pour ça. Alors, pour vous avoir mon adresse, je vous demande de m'envoyer un email. L'email vous l'avez en barre d'infos, mais je vous le remets ici sous la vidéo. Donc c'est atelier.de.didit@gmail.com. Dans cet email, pensez aussi à me mettre votre pseudo dans la barre. Fifi me perturbe. Pardon. Dans l'objet d'email, mettez-moi votre pseudo YouTube et vous mettez concours. Comme ça, je saurai tout de suite que c'est pour le concours et que vous avez besoin de mon adresse. Comme ça, je pourrai répondre tout de suite. Et je vous donnerai mon adresse en retour. Et comme ça, je sais que vous participerez. Et moi, ça me permettra de faire une petite liste sur mon cahier pour savoir qui participe. Et je cocherai comme ça sur mon cahier au fur et à mesure que je recevrai les enveloppes. Pareil sur votre enveloppe, au dos. Alors pensez à mettre votre adresse au dos, parce qu'on ne sait jamais avec la poste. Si ça se perd, au moins ça risquerait de repartir chez vous. Parce que s'il n'y a pas votre adresse, bah, ça va se perdre et ce sera mis aux oubliettes. Donc pensez à mettre votre adresse au dos. Et marquer concours, comme ça je sais aussi que c'est une enveloppe pour le concours. Voilà, j'espère avoir tout dit et pas avoir été trop compliqué. Donc je vous répète tout simplement. Alors vous me faites une carte 5, comme ça, toute simple,
hein, qui ne se plie pas. Sur la face, vous me faites votre décor sur le thème de votre choix, hein, le shabby, le vintage, tout ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Derrière, vous me mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre pseudo YouTube, votre Facebook si vous en avez un, votre Instagram si vous en avez un, et votre thème préféré, et votre anniversaire, votre date d'anniversaire. Voilà. Et vous m'envoyez un email avec votre pseudo YouTube pour que je puisse vous donner mon adresse. Donc même celles qui ont déjà mon adresse, hein, envoyez-moi un email pour que je puisse noter sur mon cahier que vous participez à mon concours. Voilà. Donc si vous, donc là en dessous, ben, si vous avez des questions, allez-y. Vous pouvez quand même me reposer des questions en dessous. Et notez-moi en commentaire, email envoyé, comme ça c'est pareil, je sais que vous allez participer au concours. Je saurai combien à peu près de personnes vont participer. Donc le concours est ouvert à partir d'aujourd'hui, voilà, donc on est le 5 juin. Et normalement il sera fermé dans un mois. Donc le 5 juillet, oui, je fermerai le concours, je fermerai le concours le 5 juillet et le tirage au sort, le temps que je continue à recevoir, je pense que le tirage au sort se fera aux alentours du 10 juillet, 10-12 juillet, mais ça je vous confirmerai par la suite, puisque je laisserai quand même un petit peu arriver les derniers courriers. De la poste, mais le timbre de la poste, le dernier délai, ce sera le 5 juillet. Voilà. Donc j'espère avoir été clair, pas trop compliqué. J'espère que ce concours va vous intéresser, va vous plaire. Donc il y aura 3 gagnantes, ce sera des lots action. Hein. Là, je fais un peu comme je veux. Par mes moyens, puisque je vous dis, les boutiques ont refusé ou ont fait la sourde oreille. Mais bon, tant pis. Bon, je sais que quand même, ils sont pas mal sollicités. Puis bon, au bout d'un moment, ils en ont marre aussi. Hein, ça leur fait quand même du matériel pas vendu. Donc, c'est de la perte pour eux. Mais bon, voilà. Donc le principal, bon, c'est que vous ayez un cadeau et puis que c'est fait dans l'amitié et puis que ce soit fait avec plaisir. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Malgré mes petits problèmes du moment, je veux quand même vous faire plaisir. Et pour vous remercier de tous ces abonnements. Bien sûr, je rappelle qu'il faut être abonné à ma chaîne. Hein. Venez pas non plus vous abonner pour le concours et vous désabonner après le concours. Ça, je le verrai quand même, puisque j'ai la liste des personnes qui sont abonnées. Puisque là, je vais quand même imprimer la liste des personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc, je vais voir qui va s'abonner pour le concours et va se désabonner après. Voilà, sinon ben, je pense avoir tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos. Et si vous participez au concours, vous marquez en barre d'infos email envoyé. Et là, vous m'envoyez votre email pour avoir mon adresse. Même si vous l'avez déjà, envoyez-moi un email. Comme ça, je coche qui participe et qui ne participe. Enfin, qui ne participe pas, non, mais je veux dire, je note sur mon cahier qui participe. Et surtout, marquez-moi bien votre pseudo YouTube, hein, parce que vous n'avez pas toujours le même nom sur YouTube, sur Facebook ou votre vrai nom. Donc, sinon après, c'est compliqué pour vous retrouver. Voilà, voilà, voilà. Sinon, ben, c'est bon, voilà. Alors, il y aura un live cette semaine. Pour pour les petites bêtises et encore pour un peu de matos de scrap. Le dernier live, là ce matin, j'ai envoyé
des colis. Donc, j'ai envoyé à... Alors, à qui j'ai envoyé? Alors, excusez-moi, là, sur ma feuille, j'ai pas les pseudos. Donc, bon, les filles vont se reconnaître, hein. Je vais juste dire les prénoms. Pimprenelle, c'est parti. Véronique M, c'est parti. Céline, c'est parti. Et Sylvie, Sylvie Dulin, c'est parti. Isabelle A, c'est parti. Et encore une autre personne qui est partie ce matin. J'ai oublié le nom. Désolée, j'ai oublié le nom. Mince, qui est parti encore ce matin? Non, c'est tout. Je pense que c'est tout. Voilà. Donc, ces personnes vont recevoir le colis. Donc, certaines, c'est par la poste, puisque c'était des petits. Et certaines, et les premières que j'ai énoncées, c'est Mondial Relais. Voilà. Donc, pensez à me prévenir quand vous avez reçu vos colis. Là, tout à l'heure, je vous enverrai vos numéros de suivi. J'attends encore le paiement de certaines personnes, plus beaucoup, hein. J'attends encore le paiement de certaines personnes et j'attends encore la confirmation d'une personne. Bon, je ne dirai pas son nom, elle doit le savoir, hein, qu'elle n'a pas confirmé. Donc bah là, c'est tout, hein. J'annule sa vente et ça repartira dans le live la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, jeudi. Donc sa vente est annulée. Bon, il n'y avait pas grand chose, hein, mais j'ai annulé sa vente. Je vérifie si j'ai oublié personne, hein, que personne ne m'ait oublié. Là, hier, j'ai eu une confirmation, donc là, c'est bon. Là, c'est bon, là, c'est bon. Ah, là, j'ai envoyé un email. Ça devait être fait, mais j'ai pas eu de retour encore. J'ai entendu un drôle de bruit. Bon. J'ai pas eu de retour. Donc, je vais envoyer un email à cette personne. Et Audrey, son nom, j'ai reçu ta carte ce matin. Tu sais pourquoi. Je te fais plein de bisous. Je te remercie énormément. Voilà. Donc, sinon, les autres, bah, c'est bon, hein. Donc, j'ai réservé à celles qui m'ont demandé de réserver pour le prochain live. Et voilà. Donc, il y a une personne qui m'a donné aucune nouvelle. Donc, cette personne-là, sa vente est annulée. Voilà. J'avais dit, hein, j'arrête pas de prévenir qu'à la fin du live, il faut m'envoyer un message. C'est pas le premier live que je fais. Donc, si les personnes ne le font pas, eh ben, tant pis, hein. Moi, comme j'ai dit sur mon Facebook, ça me prend plusieurs heures de préparer le live, de faire le live, de faire vos comptes, de faire les colis, d'aller envoyer les colis. Donc au bout d'un moment, c'est bon. Si on ne fait pas, bah, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc moi, j'annule. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'était le concours. Si vous avez des questions pour le concours, n'hésitez pas, je vous remets tout en barre d'infos, hein, et soyez nombreuses à participer au concours. Déjà, ça me fera énormément plaisir de recevoir toutes vos créations, hein, c'est toujours un grand plaisir de recevoir les créas. Et de voir vos merveilleuses créas. Donc voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à toutes d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Donc pour le live jeudi, sauf empêchement personnel, mais vous serez prévenus.
Il y a des tutos, il faut que je refais des tutos, ça c'est sûr, ça va arriver. Ouais, il faut que je range mon atelier pour vous faire des tutos, hein, mais là avec les colis et tout, en ce moment c'est un peu le bordel. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, voilà. Donc, je vais vérifier si j'avais rien d'autre à vous dire, mais non, c'est bon. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez du soleil. Nous, aujourd'hui, c'est grisou, c'est tout gris dans le nord. Mais bon, ça va, on n'a pas froid, il pleut pas, donc ça va. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Bisous, bisous. Je vous aime tous.